demandez certainement ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Hein, vous vous posez la question. Oui, 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 oui. Si vous voulez savoir ce que je suis en train de faire, je vous conseille de vous abonner tout de suite. N'oubliez surtout pas la petite clochette de notification. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, que voilà 5 conseils pour les pros et pour les débutants. Si tu veux récupérer cette señorita bonita, là, pronto, pronto, tu passes la nuit avec moi aujourd'hui. Voilà 5 petites choses que tu dois faire. Ça ne te coûte rien de regarder la vidéo, ça va te prendre 5 minutes. Mais tu vas voir que d'un coup, tu vas passer d'un loser à un winner. Tu vas entasser, en fait, on va même plus t'appeler le loser, mais plutôt le tombeur. Donc, regarde cette vidéo, c'est pour toi. Donc, est-ce que tu as déjà embrassé une fille un jour? Genre, tu l'embrasses, tu passes une belle soirée avec elle. Dès qu'elle part là, tu l'appelles même pour souhaiter bonne nuit. On te dit que le numéro n'a jamais existé. Toi-même, tu regardes le numéro, tu regardes les textos et tout et tout. Quand tu rappelles, on te dit, s'il vous plaît, monsieur, le numéro là n'existe pas. Ne rappelez plus sur ce numéro. Tu te demandes même que j'ai fait quoi. Tu te poses encore la question. Tu sais, en lui donnant un baiser intense, un baiser passionnel, un baiser fou, genre le genre de bisou que, hey, quand je vais l'embrasser là, ses cheveux vont se lever sur la tête. Là, gars va se dire, ma salaud, gars, là, il me touche comment comme ça là. S'il peut me toucher comme ça, je n'imagine même pas ce qu'il peut me faire dans un lit. En gros, si tu fais un 20 sur 20, un sans faute, l'angalaire, même si elle monte, elle descend, elle est faite comme un rat, tu vas la récupérer. C'est pour ça que Tata Rose Mouni, ici présente, là, maintenant, tout de suite, va te donner 5 conseils, 5 petits conseils que quand tu vas appliquer, oh, l'angala, on passe au conseil. Donc, règle numéro 1, les filles n'aiment pas les hommes pas sûrs d'eux. Les filles n'aiment pas les hommes timides, gens qui... Nous, on aime bien les gars qui sont un petit peu osés. Genre, tu viens, tu récupères la petite, tu l'emmènes vers toi. Et bref, comme ça, comme dans la vidéo. Récupère la petite, angoisse la petite, embrouille la petite, et maintenant colle la petite. Numéro 2, ça c'est l'une des étapes les plus importantes. Mon gars, tu échoues ici, hein. Tu échoues cette étape-ci là. S'il te plaît, va la raccompagner. C'est même pas la peine d'insister. Parce que si tu échoues ici, là, 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 cette étape-là, c'est que tu as échoué tout le reste. C'est même pas la peine de rêver que tu vas pécho. Va la déposer chez elle. Donc, tu dois toujours l'embrasser au sens contraire du tien. Tu vois, genre, comme ça, comme ça, là. Comme sur la vidéo. Surtout pas que vos fronts se touchent, vos gens, vous hésitez, vous vous cherchez là comme ça, vous, toi aussi là, la tendresse avec toute la douceur, tu la projettes dans un univers, merde, elle se dit, je suis où là? Je suis où là? En numéro 3, il faut définitivement que tu t'adaptes toi à sa façon d'embrasser. Ça veut dire par exemple que, nous ne sommes pas toutes pareilles. Il y a des femmes qui sont sauvages, il y a des femmes qui sont douces, il y a des femmes qui vont ouvrir comme ça pour t'embrasser. D'autres qui vont venir plutôt avec des lèvres comme ça, d'autres qui vont te sauter dessus comme ça, tu vois. Lorsque tu l'embrasses, sois le plus proche d'elle. Rapproche-toi le plus d'elle. Elle doit sentir non seulement tes lèvres, mais elle doit sentir ton odeur, elle doit sentir ta chaleur, parce qu'en fait, tout ça, c'est, vous savez, l'amour, c'est quelque chose de chimique, contrairement à ce qu'on croit, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose de, ce sont des hormones que ton corps libère et des hormones que son corps va aussi libérer, et c'est ça, ce sont ces choses-là qui vont créer des émotions en vie. Quand tu vas faire ça, franchement, la petite, là, elle-même, elle va commencer à trembler comme ça, toute seule, tout va commencer à bouger seul. Donc, mes chéris, mes amours, en règle numéro 5, en règle number 5, cette chose-ci, je ne le dis qu'aux garçons. Les filles, si vous êtes là, pardon, quittez la vidéo ici. Je sais que je ne devrais pas, mais quittez la vidéo. Cette partie-ci, c'est rien que pour les garçons. Les gars, quand vous êtes à ce point-là, voilà une chose que je vais vous dire ici, là, que quand vous allez faire ça, l'angala, même si c'était quoi, c'était où, c'était qui, c'était comment, dès que vous allez lui faire ça, c'est elle-même qui va se mettre à genoux, pitié, laisse-moi rester, elle va ramper à vos pieds. Après tout, si vous faites vraiment les 4 autres étapes, comme je vous ai dit, vous la mettez bien, 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 comme je vous ai dit là, la 5e étape là, c'est seulement pour clore le truc, que l'angala va seulement dire que, oh, Abek, amène-moi avec toi.
En cinquième étape, lorsque tu as tout fini de faire, que tu l'as embrassé en douceur, que tu l'as ramené vers toi, ça va tourner en boucle dans sa tête. Elle va revoir ces baisers-là avec votre odeur, votre parfum, votre voix douce, bien habillée, vos lèvres qui sentent bon, votre bouche qui est propre, votre sourire sensuel, l'univers dans lequel vous l'avez emmené. Ça va tourner en boucle dans sa tête. La go là, même si elle va où, elle va te supplier, bébé, s'il te plaît, je ne sais pas ce que tu m'as donné, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais pitié, garde-moi. C'est bon. Donc, encore une fois, bonne fête de la Saint-Valentin.